Pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai pas bougé. Pas encore. Non, je travaille. Dans demain, je travaille. Ouais. Oh là là, heureux, désolé, mon père au téléphone. Et mon père au téléphone, et... alors, c'est pas la connexion qui a crashé. C'est pas la connexion qui a crashé, je démystifie tout de suite. Et salut le Dante, et salut Doc, comment ça va? Désolé, j'ai pas réussi à belle maman, des bisous le Fouals. Des bisous le Doc. Non, j'avais mon père au téléphone, en plus en ce moment, il est très malade, donc du coup, voilà, c'est pour ça que je ne peux pas me permettre de rater... Rater le coup de fil. Ce scam, on se croirait chez Doc et salut Camille. Non, mon père est bien malade, donc du coup, je peux pas trop me permettre de louper l'appel. Et surtout, j'étais en train de parler, papoter. Et je regarde, je vois un message comme quoi le Nvidia Broadcast a planté. Donc super, ça a planté, ça tège le live. Et ça tège le jeu aussi. Je dis, mais c'est formidable! C'est formidable! Donc, je relance le jeu, impossible de redémarrer. Donc, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je redémarre à nouveau l'ordi! Ah oui, évidemment! Et voilà! Ah oui! Et oui! Non, mais allô, quoi! Allô! Voilà, donc, super! Je sais pas ce qui se passe en ce moment sur Allô, c'est la merde totale! C'est la merde totale, hein, le jeu. Donc, voilà, on relance, hein! Que voulez-vous? On relance? C'est le bordel! Salut YouTube!
jeu qui porte la poisse, hein, bah, souris et clavier. Bon, je comprends pas là, qu'est-ce qui se passe là, le jeu là? Le jeu il porte la poisse, non mais complet. Complet. C'est le bordel. Voilà, donc on revient là, ok, donc on reprend là où nous sommes arrêtés, c'est bien. Donc c'est parfait. Je vais t'envoyer un message au moment où t'as reçu un appel. En plus ça. Mais ouais, non, en plus j'ai mon père qui est appelé. Et pas ta track. Le crash d'OBS. Tristesse et délabrement. Déchéance et enchantement. Oracle, quelle abjection je suis. Je n'ai pas été créé. Que dites-vous? Mais vous voici là où vous ne devriez pas vous trouver. Dites à vos troupes de cesser immédiatement. Il ne faut pas rompre la quarantaine. Répondez, construction. Concept flou. Terme familier. Moi, je sers. Personne ne me sert, oracle. Quand tu vois la fille, il faudrait que tu fasses une scène de poste comme tu avais des choses sur la scène pour dépayser. Albatar. Vous êtes à deux doigts de libérer des forces qui... Albatar. Je suis sûr, il faudrait que je me lance un défi de faire tous les halos en difficile. Ah! C'est tout à fait déplacé. Nous pas mal. Suivons le chemin et bon je défi fais ça. Partie du rocher voyage et saint, leur but. Je, nous les servons. Ils finiront par trouver et ensuite je serai enfin libre. Trouveront libre? Expliquez-vous. Je connais leur chemin et quand ils seront partis, moi seul resterai. Et alors? La liberté. C'est extrêmement fâcheux, construction. Votre noyau semble ne pas du tout saisir la gravité de cette situation. J'en ai, ça devient trop compliqué, ouais, j'imagine. Je m'occuperai personnellement de votre retrait. Enfin, à moins que le parasite ne nous tue tous d'abord. Auquel cas, ce sera inutile. Au revoir, construction. Au revoir, construction. Ça y est, c'est bon. Non. Sans le capitaine, les Covenants ont gagné d'avance. Quoi? Ah, il se passe des trucs chelous dans le jeu. Hein. D'accord, donc ça, ok. Là, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. On a réussi! Cortana, Echo 419. Voilà. On a le capitaine. Venez nous chercher immédiatement. Voilà, donc là, je récupère négatif, ça. Négatif, Cortana. Je suis attaqué par des patrouilles aériennes Covenants. Elles m'en... Voilà, donc là on avait l'histoire. Mais on s'en fout. Construction. C'est le problème quand on regarde les cinématiques pour comprendre l'histoire. Tristesse. J'ai dit on peut pas les enlever. Toutes les couleurs, ah, ne merci. Comptez pas sur moi, désolé. Bien reçu, Fohammer. Cortana terminée. Appui aérien impossible, capitaine. Attendons ici qu'elle puisse venir nous chercher. Oh non. On est coincé okay. Ici. On est voilà. Fait comme des rats. Reprenez-vous, soldats. N'oubliez pas que vous êtes un marine.
Cortana, si le chef et vous réussissez à nous trouver un vaisseau des Covenants, je nous sortirai d'ici. Ok, bon bah déjà, capitaine, monte. Il y a un vaisseau des Covenants à quai. Là, si tu peux monter, ce serait pas mal. D'ailleurs, te mettre à l'abri. Allô ? C'est bon le son là ? Et pour l'instant qu'on associe Cortana est utile, j'avoue. C'est même en assistant virtuel, Cortana elle sert à rien. Là il y a du lore. Il n'y a pas de lore. Tu veux faire chanter un way, oui. Tu veux chanter à Marseillaise, imiter de l'Indon, bien sûr. Donnez-moi une minute pour me connecter à l'interface du vaisseau. Ah, inutile. Je vais prendre les commandes. Capitaine, des hunters. Cramponnez-vous. Ça va passer. Ah oui, d'accord. Bien joué, capitaine. L'heure de la revanche a sonné. Ah c'est sûr, c'est super malléable hein, un vaisseau de convenante, c'est super malléable hein, t'arrives à pop 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 pip pop 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 pou. Les Covenants estiment que ce qu'ils appellent le cartographe silencieux est sous cette île. Ah c'est moi. Le cartographe est une salle de cartes qui nous mènera au centre de contrôle de Halo. L'île est dotée de multiples structures et installations. L'une d'elles abrite la salle des cartes. Nous approchons de la zone de dépose. Ça va être chaud. Préparez-vous et... Ça va être chaud. Atterrissage. Allez-y, Marine. Let's go, 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 go. Allez, 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 allez. Charge. Allez. Voilà. Non mais c'est un mode de jeu de friendly hein. Y a aucun challenge. Pour Doc. Pour Doc quoi. Ah. Merde. Où est le Warthog? Ah, on est toujours sur le Halo, ouais. Allez, tut-tut! On dégage! Ok, allons-y. Il faut trouver la salle des cartes pour connaître l'emplacement du centre de contrôle de Halo. Bon, si jamais il y a un crash, c'est OBS, hein. Encore le Nvidia... codec Nvidia, putain mais tant qu'on aura ce codec à la mort moi les fesses, ça posera toujours un problème. Tant qu'on n'aura pas le codec, je m'en rappelle plus le nom de ce codec là, super léger, mais qui est pas compatible Twitch, compatible YouTube mais pas Twitch. Ça va nous poser quelques soucis. Ce sera la grosse révolution, ça. Ce nouveau codec là. Là, dans la paroi de la falaise. Je parie que le cartographe silencieux se trouve là-dedans.
Hop là. Fais gaffe. Fais gaffe. J'avais une intelligence artificielle qui parie. Attrapez-le. Master Chief. Bon, j'ai plus de vie, hein. Une trousse de soins serait pas mal. Ah ouais, d'accord. Le comité d'accueil. Ok, j'ai plus de munitions. Voilà. Il y a une forte résistance. Let's go. Le cartographe doit être ici. Selon mes analyses, la salle des cartes devrait être au sous-sol de cette installation. Entrons là-dedans. Ouais, entrons là-dedans, c'est parti. Voilà, empêchez-les de verrouiller les portes. Intéressant. Je ne pensais pas que les Covenants maîtrisaient si bien les sous-systèmes d'Halo. Oh merde. Ils ont verrouillé les portes et notre puissance de feu est insuffisante pour les détruire. Cortana acquise. Je vous écoute, Cortana. Vous avez trouvé le centre de contrôle ? Négatif, capitaine. Les Covenants sont en route. Pour continuer, nous devons désactiver le système de sécurité de l'installation. Compris. On peut ? On se dirige toujours vers l'objectif. Une fois qu'on y sera, le contact sera peut-être coupé. Vous avez ordre d'utiliser tous les moyens nécessaires pour entrer dans l'installation et trouver le centre de contrôle de Halo. Je peux ? Arriver au centre avant les Covenants. Il n'est pas question d'échouer. Non. Echo 419 à équipe terrestre. Je reste en position et je garde un œil sur les Covenants. Deuxième section. J'aurais dû le tuer. Dès que tout le monde sera sur le niveau supérieur. Zone d'atterrissage apparemment sous contrôle, chef. Rien ne bouge. Bonne chance à tous. Ici Keys. Terminé. Il faut trouver un dispositif de sécurité pour ouvrir cette porte. Il faut que je trouve le dispositif de sécurité. Alors peut-être qu'il est dans une grotte. Peut-être qu'il était là-dedans. Ah non, perdu. Décevant. Mais là en fait on peut venir en Warthog. Et là, faire une entrée super badass. Et là, en Warthog. Mais après, on pourra pas passer. En Warthog, tu passes pas. C'est ça le problème. Alors, dispositif de sécurité, est-ce que c'est ça ? Allô ? Non ? De toute façon, si j'aurais éliminé le convenant, quoi qu'il arrive, la porte, elle serait fermée. Alors il faut bien y aller avec le Warthog. Parce que là, s'il faut y aller avec le Warthog... Oh
On va voir. Je vois pas ce que le Warthog pourrait faire hein, de plus, mais... Pour moi, il passe pas. Hein. Va faire sortir le Warthog toi maintenant. Vas-y, va faire sortir le Warthog là. Bon mais ça va, si ça sort. C'est comme ça que tu ramènes tes courses à ton appart exactement. Là, je fais monter ma voiture, elle monte les escaliers et tout, hein, normal. Regardez-moi ça, impeccable hein, regardez hop là. Ah plus son content, ouais. Formidable. Bon voilà, le Warthog passe, mais c'est pas ça. C'est non. Je pensais que... Est-ce qu'il y aurait un dispositif là-dessous? Je pense pas. Alors, on va essayer de trouver un truc là. On va essayer de trouver un truc là. Normalement, le jeu devrait backseat. Non, ça c'est pour changer d'arme, on s'en fout. C'est quoi le bruit de battement de cœur horrible? C'est ma vie. J'ai plus de vie. Donc, du coup, on a super bruitage. Jean-Michel Bruitage. Et du mastodonte, c'est pas un patricien faux. Su, faut le souffle. Pas du tout, c'est réaliste. Ouh, j'ai fait crever. Ah ouais d'accord, j'ai quand même perdu du bouclier. Il y a vraiment de groupe identique. Danti a ses groupies. Alors le jeu. Ça. Même pas. Bon ben on va tout ça, c'est dans le plus grand des calmes. Attention. Ouais, t'inquiète, ça passe. Oh là là. Chouchouille. On va voir ailleurs. Ailleurs, peut-être qu'il faut aller ailleurs en fait. On dirait qu'un passage mène à l'intérieur de l'île. Mais tire ! Tu ne m'échapperas pas. Vas-y. Il est con. J'ai plus de mission. L'inconnu des ordinateurs entiers, voilà, plus fort fonctionne, tire une bastos exactement plein. Donc, ta gueule! J'ai dit, meurs! Voilà. Voilà. Sauvez-vous! Donc là, il y aurait un passage vers l'île. Donc, du coup, en fait, voilà. Pas besoin de rentrer dans le bâtiment avec le Warthog. Voilà.
Voilà. En français, maintenant, t'as vu ça un petit peu ? La classe, hein ? Ils ont appris à parler français, ouais. Hop là, dans ta gueule. Attendez-vous ! Vous ne pouvez pas m'échapper. Ouah, il y a des gros. Ça marche pas tout le temps. Ah, let's go. Ça a marché. Trop facile ce jeu. Je vous dis que ce jeu est dog friendly. Il a un mode dog friendly. Merde. Hop là. Ils en veulent encore ? Le succès de faire coffling avec des coups de crosse. Bah là comme j'ai plus de munitions, ouais je vais... Ah. Du lore. Entropie. Cela fait 3000 ans que je ne suis pas rentré en contact avec les autres gardiens... Moi j'appelle ça le mode Liam. Malgré un protocole de communication très clair, les autres monitors ont préféré garder le silence. Plus vraisemblablement, ils ont perdu la capacité d'effectuer les mises à jour programmées. La disparition du domaine signifie que nous devons nous contenter de c'est trop facile. Supraluminique terriblement longue. Avant l'arrêt total des communications, les seuls messages reçus au cours des 4573 années précédentes étaient des transmissions incomplètes et assez confuses de l'installation 05. Je pensais que Monitor 2401 Penitent Engine rencontrait déjà des problèmes avant même qu'il ne cesse d'envoyer des messages. J'ai exprimé des doutes sur ses capacités à accomplir sa tâche. Aujourd'hui, je ne sais plus pourquoi je tiens ces journaux. 2401 est peut-être destiné à devenir fou. Il y a des sécurités pour parer à ça, je le sais. J'espère qu'elles fonctionnent. Je continuerai de me rendre au système de projection aux dates prévues. Il est possible que les autres monitors gèrent des intempéries galactiques ou connaissent des défaillances systémiques. Ah là là, le lore, bien sûr. 3000 ans de défaillances systémiques. Tout de même. Entre-temps, j'ai mené à bien toutes les activités de recherche que le Conseil m'avait confiées. Une fois ces expériences terminées, j'ai mis en sommeil les fonctions sentinelles et je me suis placé en état d'hibernation profonde pour déterminer les performances de l'installation dans des conditions d'entretien minimum. C'est pas une douche pour skip la vidéo, aïe aïe aïe. Ah, faut qu'on découvre le lore. 150 années sans impact notable sur les systèmes ou l'intégrité de l'installation, même en pleine hibernation, j'ai commencé à... m'ennuyer. C'était assez troublant. On m'avait laissé penser que j'étais incapable d'un tel état d'esprit. C'était l'une des compétences que l'on m'avait promise. La fin des conflits. Je pensais qu'un système comme moi qui perdrait son objectif opérationnel en cours des risques. C'est assez troublant. Je me demande si mes pères monitors ressentent la même chose ou si c'est dû au parcours particulier qui m'a... C'est vrai que c'est les pétasses. Ah, les pétasses. Pour m'amuser,
J'ai commencé une série d'expériences comprenant l'évacuation de toute matière dans des parties précises de mon installation. Ah ouais, d'accord. L'annihilation. Les effets géologiques de l'exposition aux vides spatiales et le rétablissement biologique des parties concernées, je suis même parvenu à constituer une série de scénarios d'urgence à suivre en cas de... D'accord, le mec il s'amuse à tout péter. Mais ça va, c'est cool, c'est rigolo. Oh bah voilà, je me fais chier alors je fais tout péter. Il me reste 14 balles. Ouais, à moi ça, putain. Voilà. Hop là. Tu vas toi ? Il m'en reste deux. Il m'en reste deux balles. La blague. La blague à deux balles. C'est vrai que les battements du cœur là ça casse les couilles. Hein. Regardez. Merde. Mais sale chien. Mais sale chien. Voilà. On va mourir. Voilà. Ah, il me reste deux chargeurs, ok. Ah bah let's go. Ah on est au-dessus, ok. Donc là, évidemment, il va y avoir des ennemis. Oh, il y a deux gros. Ah oh, bah je le fais à l'ancienne. Hein. J'ai plus d'armes. Ouf. Voilà. Trop facile ce jeu. Trop facile. Trop facile. Donc en fait les Covenants, de ce que je comprends, c'est en fait c'est une création des fondateurs. Utilisez le panneau holographique pour couper le système de sécurité. Bien, ça devrait ouvrir la porte menant au puits principal. Ah, il est de retour celui-là. C'est calme. C'est beaucoup trop calme. Je serais tenté de sauter, mais... Trop de skills, c'est grâce à Dante qui est en spectre. Ah, c'est Dante, il m'a filé sa force, il m'a fait du vaudou. Mayday, Mayday, vaisseau de largage, bravo 22, attaquez. Je répète, ah, on s'attaque, perdons de l'altitude. Oh putain! Bâtard! Voilà! Bâtard! On va récupérer du bouclier là. Allo, je vais récupérer. Je serais tenté de sauter, mais je vais crever. Chef, oui. Bravo 22 nous apportait des armes lourdes. J'ai pensé que ça nous aiderait à combattre les Hunters. Ah bah avec plaisir. Descendons sur la plage. Essayez de sauver la cargaison. Ah bah voilà, j'ai plus d'armes.
Il faut qu'on descende sur la plage, mais on va descendre, on va essayer de descendre de manière... manière habile. L'habilité selon Fouals. Pouah ! Oh, let's go ! J'ai plus d'armes. Donc là, soi-disant, on m'a mis des armes sur la plage. Je ne sais pas où elles sont. Oui, faut protéger le machin. Gna gna gna. Ah, il est là-bas. Okay. Ah. Le Hunter, il est dans tes villes. Ah, c'est le Hunter. Pourquoi tu ne prends pas les armes aliens? Alors pourquoi? Ah, alléluia. Alors pourquoi je ne les prends pas? Parce que voilà. Je trouve que c'est plus fort nos armes à nous. Les armes humaines. Là voilà. On récupère des... on récupère des munitions. Je récupère un Warthog et voilà. Oh le bâtard. Putain de tonnerre. Les armes aliens sont moins fortes que les armes humaines. Exactement, t'as vu, regarde la preuve. Hein. Ah, s'il te faut encore une preuve de prouver la domination des armes humaines face aux armes aliens. Votre manque de foi, elle se me consterne. Ah là là. Point de contrôle terminé. Alors est-ce que c'est le bon endroit? Ça m'a tout l'air. Regarde, voilà. Je tire dessus, normal. Voilà. Ouais, Jésus 2, le retour. Voilà. On leur met des grosses mandales dans la gueule. Des bonnes grosses patates de forain là, bien comme il faut dans la gueule. Et voilà. Alors on sait qu'on a l'autre, le sabre là. Il va être là. Waouh, un filtre cinématique, incroyable. Ça marche le dent, merci pour ton lurk. Et bon live si tu as streamé. Prendre une douche et me préparer. Bon live, ça marche, bonne douche. Bonne douche et bon live. Ah, il y a un passage. Bam! Ouais.
Pouette. Voilà, hop là. Sans donner les coups de feu. En mode furtif. Y'a des gros. Hop là. Ils sont plus chiants eux avec leurs boucliers que les gros. Non mais vraiment. Go. J'ai détecté un ennemi. Où est-il? Je suis caché. Alors, il est vers le bas. Oui, allô ? Le vaisseau de largage arrive sur vous. Oh non ! Ok les gars, on a de la compagnie tirée à vue sur les forces ennemies. Génial, allez c'est parti. Ce serait plus facile de les combattre de l'intérieur de la structure. Vous pouvez y aller ? Négatif, ils arrivent trop vite, négatif. Chef, trouvez le cartographe, on va les occuper le plus longtemps possible. Ouais, c'est toujours, toujours moi. On a intérêt à sortir d'ici avant l'arrivée des autres renforts. Trouvons cette carte. Là, il y a du lore là ou pas? Là, j'allais dire, je vais pas me softlock si je descends. Sœur BG dans nos lives. Ah, il se fait toujours BG. Comme il sait que tu vas arriver. Hop là. Oh la vache, génial. Dégommage de Covenant dans les règles de l'art. Allez, boum. Et bim et bam. Vous voyez? Je suis accroupi! Aïe aïe aïe! Ce panneau holographique devrait activer la carte analyse. Le centre de contrôle d'Halo se trouve là. J'étais si pas mon interprétation est bonne, cette j'étais pas prêt, j'ai embarqué. Ou de sanctuaire. Intéressant. Un sanctuaire n'est pas un lieu habituel pour abriter une telle installation. Cortana à Capitaine Keyes. On a perdu le contact avec le capitaine, Cortana. J'aime bien embarrasser, c'est rigolo. Le vaisseau doit être hors de portée ou alors il a des problèmes techniques. Réessayez. Prévenez-moi quand vous aurez rétabli le contact. Aïe, 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 aïe. Donnez-moi l'emplacement du centre de contrôle. Aïe, aïe, aïe. On s'y rendra dès qu'on aura rejoint le niveau supérieur. Affirmatif. Ici, Forhammer, terminé. Ici, Forhammer, là, 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 lilalou. Là, là, lilou. On peut pas se barrer par là? Ouah. Je suis tombé. Aïe, aïe, aïe.
Ah, il dormait. Ah, il dorme. Allez, bim. Hop là. Bon, allez, on se casse. Allez, let's go, on se casse de là. Allez, on sort la grosse guitare. La bagarre. Ah non. En file. Où ça? Oh oh. Poum. Bam. Ah merde, on vient de passer par là. Mais quel mongol. Là, est-ce qu'il y a du lore? Et maintenant on se casse. Cortana à Echo 419. Le chef et moi sommes au niveau supérieur. Évacuation demandée. Merci, j'arrive. Hop là. Apprendra à être invisible. Vite, cassons-nous. Je suis là. Ah, ouh. Ah, let's go. Mais... allons-y. Fauxhammer, voici les coordonnées et le plan de vol. Mais non. Mon perso, il est resté. Cortana, ses coordonnées sont souterraines. Les Covenants ont effectué une étude. Oh, génial! L'anneau est criblé de profonds tunnels qui encerclent tout l'anneau. J'espère que votre analyse est juste, Cortana. Ce pélican n'est pas conçu pour ça. Positivez, Fauxhammer.
Les Covenants s'attendront à tout, sauf à une intervention aérienne. Par le sous-sol. Incroyable. Je ne peux pas aller plus loin. Bien reçu. On rejoindra le centre de contrôle à partir d'ici. Bonne chance, Farmer. Allez, let's go. Bon, alors je prends à gauche ou à droite pour sortir. Bah, tu te démerdes. Oh, les tentatives d'humour. Tentative d'humour à deux balles là. Bon, je prends la gueule quoi pour sortir. LOL MDR. Oh, le kilomètre de la blague. Tu veux des bébés qui ont tous une voix comme ça. Bah ça me fait chier. Merde, j'arrive, merde. Je te team bag. Pardon. Non mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi Liam. Comment tu peux te permettre de tuer de si petites choses? Mimi avait une petite voix tout choupie. Pardon. Je m'égare. Ah, il y a des petits lags. Il doit y avoir des téléchargements là. Intéressant. Les conditions météo semblent naturelles et pas artificielles. Les systèmes environnementaux de l'anneau sont-ils défaillants? Ou ses concepteurs l'ont-ils délibérément installé sous ce climat? Ici, Kim Sulu, demandons l'aide immédiate des forces du CSNU. Quelqu'un me reçoit? Terminé! Je croyais qu'il n'y avait plus de forces humaines dans cette partie de l'anneau. Cortana à équipe Zulu. Je vous reçois. Équipe Zulu, ici Cortana. Maintenez votre position. On arrive. Oh putain, on peut détruire les vitres, d'accord. Oh là là, Xenophile au KLM, Xenonécrophile et Tatan gratos. Tatan gratuite. Hop là, parti. Hop là. Allez, dégage. Let's go. Wow. C'est quoi, on n'est jamais trop prudent. De la musique métal. Là-bas.
Bonjour la pizza, elle va bien être une par mois avant Discord seul, je trouve ça nul, tout comme je trouve ça nul. C'est moi sur le Discord, c'est 150 Discord de muté. Alors comment on rejoint la pizza? En fait tu cliques sur le lien du Discord de la pizza et après tu. Mais tu as rejoint déjà la pizza? Et en fait sur le comment ça s'appelle? Sur le pour choisir les rôles. Parce que tu peux avoir plusieurs rôles bien sûr. Il faut que tu cliques, tu sais, sur rôle dans Discord et tu sélectionnes les. Tu appuies sur les émotes pour avoir les rôles. BAM! Et BAM! Et BAM! Voilà. En tant que serveur officiel de la pizza. Ah! Pour avoir un Chanel, d'accord. Ah, ça, il faut faire la demande. Ça, faut voir avec Doc. On va voir avec Doc Elec. Très bonne question, ça. C'est une très bonne question. Dans son fiac. Parce qu'après c'est que je suis d'accord avec toi. C'est vrai que 50 000 Discord, c'est clair que c'est pas terrible. Après avant le Discord à pizza, moi j'en avais déjà un de Discord, de Chanel Discord. Et c'est pour ça que du coup j'avais préféré de le garder, mais j'hésite à le garder vu la. Vu qu'il est pas très 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 actif, j'essaie quand même de le rendre un petit peu actif, mais bon voilà quoi. Donc j'hésite à le transférer sur la pizza. Transférer plein pot sur la pizza, mais je sais pas trop. Là on serait Shadow Legends, ça roule. Oh oui, qu'est-ce que tu fais toi? Il y a un climat de neige et tout, incroyable. Bon ça va, il n'y a pas de... Hop là, on va lancer une grenade. Grenade. Voilà. Ouh. Un bon de mes jeunes. Ouais non mais là le gros vaisseau j'étais pas prêt là. Il y a les Banshee, heureusement, mais. Ouais, let's go! Voilà, on va génocider tous ces aliens! La bagarre! Voilà! Hop là, on va récupérer un peu des munitions. On va récupérer, hein, on récupère des munitions sur les cadavres, bien sûr. Très très éthique. Oh, je l'ai tué! Ah putain, j'ai pas fait exprès! Oh, je suis désolé. Oh, mais j'ai pas fait exprès. Pardon, Bébou. Pas fait exprès, Bébou. Oh, merde. Allez, c'est plus amusant de leur tirer dessus.
pas fait exprès. Allumez-les si vous le pouvez. Encore un autre. Je les ai trouvés. Couvre-moi. Bon, attendez encore mieux là, les gars. Voilà, oui, c'est ta faute. Ben oui, j'ai vu que c'était ta faute, connard. Ah, je meurs. Je meurs, allez. Dame. Hop là. Let's go! Les Covenants ont posté leur char pour défendre l'entrée du tunnel. Voilà! Allô? Mais, ah. D'accord. Là-bas. Eh oui, mais deux secondes. Continuez. Aïe. Ah, je suis mort. Je suis mort. Bah écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est 21h06, je commence à avoir la dalle. Je commence à avoir un petit peu la dalle. Et je pense qu'il y a le Dante qui joue. Ouais, c'est genre Credo. Yeah, le Dante a lancé. Bah écoutez, on va aller voir le Dante. Allez, let's go. Red, Dante... If, Rhys, pour le plaisir de Liam, bien sûr. Nous, on se retrouve demain. Demain soir, pour un live sauvage. Live sauvage, je pense, sur Assassin's Creed Unity, peut-être le début d'Assassin's Creed Unity. Et un petit peu de Red Shadow Legends, et pareil pour dimanche, on se retrouvera aussi pour un live sauvage. Voilà, on sait pas trop quand, on sait pas trop à quelle heure, et on sait pas quel jeu. Voilà pour le planning. Voilà pour le petit planning. Allez, let's go chez le Dante. Voilà, là, on aurait pu continuer la mission, mais un peu la flemme là. Comme ça va super vite, autant y aller tranquille. À quelle heure live sauvage? Alors, live sauvage, je pense qu'on va le faire à 19h. Je pense que ça va être 19h. 19h dans ces eaux là. Ah bah d'accord. Ça va être dans ces eaux là, 19h, un truc comme ça. Allez, let's go chez le Dante, c'était Foils, des bisous. Allez, la bise, ciao ciao. Si j'ai pas d'heure, je vais pas mon téléphone sur Red. Aïe aïe aïe. Allez, let's go, la bise.